est tout juste 8h en ce lundi matin et l'équipe technique du Palatine est déjà au travail. Tu es prêt, JB ? Allez, on y va. Première étape, il faut recouvrir le parquet sportif d'un revêtement en PVC pour le protéger. 31 rouleaux de 25 mètres chacun sont à disposition. Une fois qu'on a le point de départ, après on s'aligne et c'est bon, ça va aller tout seul. Le plus embêtant, c'est ça. Parce que quelques petits centimètres de décalage au départ peuvent générer un gros problème à l'arrivée. 360 euros de scotch sont dépensés pour chaque changement de configuration. L'équipe a mis 6 mois à se roder à ses gestes et affiner l'organisation. C'est toujours la même équipe, toujours les mêmes personnes? Oui, on essaye d'avoir les mêmes intérims aussi pour histoire que ça aille vite. Comme c'est rodé, ils savent ce qu'ils ont à faire, donc oui, c'est important. Côté bureau, on s'active aussi. La structure fonctionne en régie autonome et compte 7 employés permanents. Alors, le match, il va avoir lieu le 12. Et c'est lui qui veille à assurer les 50% d'autofinancement que le Palatine atteint aujourd'hui. C'est en louant la salle qu'on fait rentrer l'argent. On en est où du taux de rendement de la salle ? C'est-à-dire... On est dans le... quelque chose, on a atteint un rythme de croisière, j'ai envie de dire, on est vraiment bien puisqu'on est en ouverture publique à 60 ouvertures publiques, ce qui est le chiffre d'établissement de cette ampleur. Et par contre, on a énormément d'utilisation à public restreint. Public restreint, c'est les entraînements, c'est l'utilisation du mur d'escalade, que ce soit pour le club, que ce soit pour les pompiers, pour les gendarmes, pour l'UNSS. Et donc là, on a plus de 140 utilisations de ce type-là, ce qui fait, en rajoutant les montages, les démontages, on arrive à 270 jours d'utilisation, d'ouverture du Palatine pour public, grand public ou public restreint, ce qui est énorme. Le Palatine, c'est aussi un coût de fonctionnement conséquent. 500 euros facturés par la société de nettoyage après chaque ouverture grand public et 80 000 euros de gaz, eau, électricité par an. Mais revenons à ce qui se passe en bas. Deux intérimaires ont rejoint les titulaires, et parmi eux, Ted, que nous avions croisé en dépanneur providentiel sur le volet. Il fait partie de cette organisation bien réglée. Donc dès le montage, on anticipe déjà le démontage. Donc quand on voit le placement, comment il est effectué au niveau de la scène et tout ça, ça veut dire que nous, on anticipe le démontage, parce qu'après un spectacle, ce qu'on aime bien, c'est de partir très vite chez soi et se reposer. Au final, cette scène, elle va faire combien de mètres carrés ? Dans cette configuration, 207 mètres carrés, en gros. Elle peut accueillir jusqu'à combien de personnes ? C'est une question de poids ? Il y a le poids et le nombre de personnes. Alors le poids, on a deux parties au niveau du sol. On a une partie dure, qui est ici. En béton ? En béton. Et on a la partie sportive, qui est en bois, flottant. Donc, qui est plus sensible par rapport au poids. Alors, donc, ça varie. Il est 11h en ce lundi matin. La salle scène montée doit être livrée dans 3 heures à la boîte de prod qui organise le spectacle du lendemain.